Je commence à prendre avion en 1961. Les ça pour aller Port-au-Prince, il était coûté 100 goud. Et me songer nèg qui était conduit avion ça, il était les Guilbeau. C'est un major dans l'armée d'Haïti. Et depuis les ça, ça pas jamais changé. Il toujours été même genre. Quand le premier ministre m'a demandé en ma qualité de sénateur de la République et représentant de la grandance de l'accompagner pour venir là, m'a hésité un moment parce que me considérer que c'est un besoin. Ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est pas bel monde, c'est pas nèg qui connaît pas les français, nèg qui connaît pas les créoles. Nous avons besoin des hommes honnêtes, des hommes et des femmes bien sûr, honnêtes qui prend les rênes du pouvoir et qui essayent de comprendre ce que le pays a besoin. Je dis à l'âme parce que le département de la grandance, c'est pas moi qui a dit le sénateur Roumer qui a dit le même Javert ainsi que le député Roumer et Rupert, c'est que nous avons toujours été traités en parents pauvres. En parents pauvres parce que tout simplement nous sommes d'enclave, nous pas cap baisser. Et puis en fait de ça aussi, c'est que généralement les gens de la grandance, les hommes qui arrivent, les femmes qui arrivent, ils sont quelques parfois timides. On ne peut pas oser avancer. Je dis à là, je me présente ici. Je dois vous dire que je ne fais pas partie du gouvernement. Je ne suis pas dans le gouvernement. Mais cependant, je suis un sénateur de la République. Et en tant que sénateur de la République, je me rends compte qu'il y a des actions qui sont posées et que normalement, la population a bénéficié des lits. Alors, je n'hésite pas à faire le déplacement. À faire le déplacement parce que je connais que un jour, là, côté chaque jour, je prends un avion, on l'est, je regarde des figues, je clairer là-dedans. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Et c'est pour cette raison que, mesdames, que nous tous qui la population de la grandance, nous-mêmes qui la je dis, nous venons là, c'est pas simplement nous venir pour nous venir garder. Moi-même, tout, je me dis, je viens garder. Parce que, parfois, bah, yo di yo pral fête et puis au printemps. Jodi a c'est lancement. Mais nous voulons voir la pose de la première pierre dans un avenir pas trop lointain. Et c'est ce qui explique ma présence ici. Et à vous autres, mes chers amis, venant de l'extérieur et qui allez prendre les rênes de ce travail, nous te prenons coup déjà dans mon bagage qui était les OAS. Nous ne pouvons pas prendre encore. Si vous prenez le jeudi, il faut que nous mettions nous au travail pour que ça qu'a fait là, les réaliser. Pays a besoin de monde, li besoin femmes ou garçons qui respectent tête yo et qui pas dans corruption, qui veulent travailler pour pays a. Chaque goutte côté dans pays ça. Chaque goutte côté. Et ça nous besoin. Nous pas besoin de monde, nous pas besoin de venir faire ou là. Je dis à nous venir là, monsieur le premier ministre Lamotte, il n'est pas de la grandance. Il vient parce qu'il est animé d'une certaine volonté pour que bagayo démarre dans le pays. Mais nous-mêmes, grandons cela. C'est qui a peur que nous prenons le poté. Ça nous prend le fait. Comment nous allons encourager pour que nous prenons le réaliser le jour que nous allons à l'aéroport dans grandons. Le jour que nous allons à l'aéroport, nous prouvons au commerce extérieur. Même Jean au Cap sont fait l'autre joie. Pour qu'ils aient l'autre point de pays à pas qu'à faire. Bagayo, non, mais non. Merci.